Salam alaikum, aïe Talamid. On a commencé l'étude du rôle du muscle squelettique strié dans la conversion d'énergie. On a vu dans la première vidéo quelques enregistrements de la contraction musculaire ou bien de l'activité musculaire. Dans la deuxième vidéo, on a vu la structure et l'ultrastructure du muscle, par quoi il est constitué ce muscle. Donc dans cette vidéo, on va voir le mécanisme de la contraction musculaire. Comment se contracte le muscle? On a vu que le muscle est formé par des faisceaux de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire, ce n'est qu'une cellule musculaire. Cette cellule musculaire, elle est plurinucléée, ça veut dire qu'elle contient plusieurs noyaux, et elle contient des myofibrilles. Chaque myofibrille, elle est constituée par des sarcomères, et on a considéré le sarcomère comme étant l'unité structurelle et fonctionnelle de la myofibrille, et bien sûr du muscle. Donc on a ici un sarcomère relâché, le sarcomère fi halat irtikha, et on a un sarcomère ici contracté fi halat taqallus. Observez les deux sarcomères. Qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les changements qu'a connu le sarcomère lors de sa contraction? On a vu que le sarcomère, il est limité par des strisettes, il est constitué de deux types de filaments. Les filaments d'actine, qui sont des filaments fins, ici en bleu, et des filaments épais, ou bien filaments de myosine. Donc, observez ici le sarcomère contracté, comment il est devenu par rapport au sarcomère relâché. Bien sûr, il est devenu plus court. On parle d'un raccourcissement du sarcomère. Vous voyez ici un rapprochement des strisettes, ça veut dire les limites du sarcomère. Donc on parle d'un raccourcissement du sarcomère et aussi on a un raccourcissement de la bande claire, aussi on a un raccourcissement de la zone H. La zone H c'est quoi? La zone H on a vu c'est le centre du sarcomère et c'est la zone où il y a de la myosine mais il n'y a pas où il n'y a pas de l'actine. La bande sombre, qui est formée à la fois de la myosine et de l'actine, n'a pas changé d'épaisseur. Donc, comment expliquer tous ces changements? Bien sûr, les filaments d'actine et les filaments de myosine n'ont pas changé de longueur. Donc, le raccourcissement du sarcomère est dû à quoi? On a dit que la zone H s'est rétrécie. Qu'est-ce que ça veut dire se rétrécir? Ça veut dire que les filaments d'actine se sont rapprochés entre elles. Donc, au cours de la contraction du sarcomère, il y avait un glissement, un mouvement, les filaments d'actine entre les filaments de myosine. On parle de glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. Donc, les actines ont été rapprochées. Donc, un glissement de ces filaments vers le centre de sarcomère, ça veut dire vers la zone H. Donc la question qui se pose, qui a entraîné ce glissement? Observons ici le cas relâché et le cas contracté. Qu'est-ce que vous constatez? Ici, entre la myosine et l'actine, est-ce qu'il y a une relation? Bien sûr, non. Ils sont détachés. Il n'y a pas de rapport entre la myosine et l'actine. Mais observez ce cas. Donc les têtes de myosine sont fixées sur l'actine. Entre la myosine et l'actine. Les têtes de myosine sont attachées aux filaments d'actine. On parle de complexe actomyosine. Donc il y avait formation d'un complexe appelé actomyosine. مركب مكون من الميوزين والاكتين بحيث ولاو متحدين كنهضروا على مركب اكتوميوزين كومبلكس اكتوميوزين دونك لا كيسيون كي سوبوز ici comment ce complexe s'est effectué ou s'est réalisé et pour quelle raison دين علاش اصلا la myosine va se fixer bien va s'attacher à l'actine pour quelle raison شنو الهدف donc pour répondre à cette question observons ici, on a dit la dernière fois que le filament d'actine, ici j'ai schématisé une partie de l'actine, une partie, juste une partie ici, une partie aussi de myosine. Donc, on a vu que le filament d'actine, elle est constitué de trois types de protéines. La molécule actine, en bleu, la troponine, en noir, et la tropomyosine, en rouge. La troponine, il est fixé sur la tropomyosine. Donc, en cas de relâchement,
La myosine, elle est détachée de l'actine. Mais en cas de contraction, donc les têtes de myosine sont fixées sur l'actine. Donc, qui a permis cette fixation? C'est la présence de Ca2+. Donc, vous avez vu, fait les activités en classe, que pour que la contraction s'effectue au sein de la myofibrille, deux conditions doivent se réunir. D'abord, la présence de l'ATP et son hydrolyse. Elle doit être hydrolysée. Ça veut dire en présence de l'eau, en présence d'eau, elle va libérer un groupement phosphate pour se transformer en ADP plus PI plus de l'énergie. C'est la première condition nécessaire à la contraction. Ça veut dire l'hydrolyse de l'ATP. Donc la présence de l'ATP et aussi son hydrolyse. La deuxième condition, c'est la présence de Ca2+. L'hydrolyse de l'ATP, c'est compris, bien sûr, on a un mouvement, ça nécessite de l'énergie. Mais le Ca2+, quel est son rôle? Donc, retournons ici, s'il vous plaît. On a vu qu'au cours de la contraction, il y a fixation des têtes de myosine sur de l'actine. Ces têtes de myosine se fixent sur la molécule actine et surtout sur des sites spécifiques à cette fixation. Les têtes de myosine doivent se fixer sur les filaments d'actine. Ou à la fixation, qu'est-ce qu'on fait? Blasa. Obtopt sur la molécule actine. Elle est juste à l'actine. Obtopt la molécule les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. En cas de relâchement, ils sont masqués. La tropomyosine. Donc, en cas de relâchement, la tropomyosine masque les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. En présence de Ca2+, quel est le rôle de Ca2+ ici? En présence de Ca2+, ce Ca2+ se fixe sur la troponine, va entraîner son déplacement. Sachant que la troponine se trouve fixée sur la tropomyosine, donc si la troponine se déplace, elle va déplacer avec elle la tropomyosine. Et ainsi, les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, ils vont être libres. Ils sont libres. Dans ce cas, les têtes de myosine vont se fixer sur leur site spécifique, ça veut dire les sites qui se trouvent au niveau de la molécule actine, et ainsi se forme le complexe actomyosine. Mais quel est le but de la formation de complexe actomyosine? Et d'où vient ce Ca2+? C'est ce qu'on va voir ici. Ici, j'ai schématisé une partie de la cellule musculaire. La cellule musculaire, elle est entourée ou bien enveloppée par une membrane plasmique ou bien sarcolemme. Donc ici, on a une membrane plasmique. والشوف الاعدادي في الثالثه الاعدادي ان العضله هي اللي كتحركنا هي ولكن ما هي الا منفذه سي ان اورغان افكتور اللي كينفذ الحركه اذا كينفذ الاوامر الاوامر بروفيان دو لونسيفال اي دو لا مويل بينيير كيجيو من الدماغ ومن النخاع الشوكي سا فو دير لي سونتر نيرفو من المراكز العصبيه سو كاين فورم هاد الاوامر هادو سو كاين فورم اريف على لا سيلول ميسكولار سو فورم دان فلو نيرفو تسويه على العصبيه. Donc l'arrivée de l'influx nerveux à travers bien sûr les nerfs va entraîner la libération du calcium qui est stocké au niveau d'un organite cellulaire appelé réticulum sarcoplasmique. La cellule musculaire, qui est l'organite, qui est le réticulum sarcoplasmique. Et le réticulum sarcoplasmique, il joue le rôle de prison bien d'un stock de Ca2+, puis qui trésorise Ca2+. L'arrivée de l'influx nerveux va libérer ce Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique. Ces ions calcium vont libérer les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Donc, les têtes de myosine ici vont se fixer sur la molécule actine en présence de Ca2+. Observez ici la tête de myosine, on a de l'ADPPI et de l'énergie, ça veut dire les produits de l'hydrolyse de l'ATP. Ça veut dire au niveau de la tête de myosine, il y avait une hydrolyse de l'ATP. Donc cette tête joue le rôle d'une enzyme qui dégrade l'ATP, qui s'appelle l'ATPase.
Les produits de cette hydrolyse ou bien de cette dégradation de l'ATP sont l'ADP, PI et l'énergie, et ils restent stockés au niveau de la tête de myosine. Une fois le complexe actomyosine s'effectue, il y a libération de l'ADP et PI et aussi utilisation de l'énergie pour faire pivoter les têtes de myosine. On a observé à cet angle-là, bien sûr, il a changé, il a diminué. On parle de pivotement des têtes de myosine. Ce pivotement a utilisé l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP et cette énergie a été convertie de l'énergie chimique à l'énergie mécanique responsable de pivotement des têtes de myosine, entraînant le glissement des filaments d'actine. Trailon Allah Dalikom. نعتبروا هذه هي لا موليكول دو ميوزين جزيئات الميوزين ولا تيت دو ميوزين دونك اي سي فيكسي سور لاكتين سي سيت تيت بيفوت غادي تدور اي لي فيكسي سور لاكتين دونك سي بيفوت اي فا فير غليسي غادي تحرك لي لاكتين دونك سي سكي اريف ايسي ان غليسمون دي فيلامون داكتين اونتر لي فيلامون دو ميوزين تو لي فيلامون داكتين غليس فير لو ميم سونس سا فو دير فير لو سونتر دو ساركومير aboutissant à l'approchement des stries Z, puisque ces filaments d'actine sont fixés sur les stries Z, et bien sûr un raccourcissement des sarcomères, contraction des myofibrilles, contraction du muscle. Après, il y a arrivée d'une molécule ATP qui va se fixer sur la tête de myosine et produit un détachement de tête de myosine de l'actine. Il y a ici un détachement de myosine de l'actine. Si l'influx nerveux continue d'arriver, donc les mêmes étapes se répètent. Si l'influx nerveux s'arrête, dans ce cas, le calcium va retourner vers le réticulum sarcoplasmique et on a un relâchement. Récapitulons. Donc la contraction musculaire est déclenchée par l'influx nerveux. La contraction musculaire à la présence de l'influx nerveux, l'arrivée de l'influx nerveux. Celui-là, ça vient. Cet influx nerveux va entraîner la libération des ions calcium par le réticulum sarcoplasmique. Ces ions calcium vont libérer les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Et ainsi, les têtes de myosine vont se fixer sur la molécule actine. Formation du complexe actomyosine. L'énergie de l'hydrolyse de l'ATP va être convertie en énergie mécanique. Donc, pivotement des têtes de myosine qui va entraîner le glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. Ce glissement s'effectue vers le centre des centromères, entraînant le raccourcissement des centromères, le raccourcissement des myofibrilles et bien sûr du muscle, contraction du muscle. Une fois l'influx nerveux n'est plus là, après une molécule d'ATP va se fixer sur la tête de myosine, entraînant le détachement de cette tête de l'actine. Donc, relâchement. Arrêt de l'arrivée de l'influx nerveux. Le calcium va retourner au réticulum sarcoplasmique et donc relâchement du muscle. Donc, comme vous avez vu, la contraction musculaire nécessite de l'ATP et même beaucoup de l'ATP au cours de l'activité musculaire. C'est pour cela que cette cellule a besoin de régénérer, de renouveler tout le temps cet ATP. Donc, la vidéo prochaine, Inch'Allah, sera consacrée aux méthodes de renouvellement de cet ATP. Donc, à retenir, le mécanisme de la contraction musculaire. La contraction musculaire se déroule selon les étapes suivantes. L'arrivée de l'influx nerveux à la fibre musculaire déclenche la libération de CA2+ par le réticulum sarcoplasmique. Ces ions libèrent les sites de liaison entre l'actine et les têtes de myosine, entraînant la formation des ponts actomyosine ou bien des complexes actomyosine. Pivotement des têtes de myosine grâce à l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP, glissement des filaments d'actine vers le centre des sarcomères. Fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine, entraînant le détachement de la tête de myosine de l'actine et l'hydrolyse de l'ATP. Ainsi, l'énergie chimique contenue dans l'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère entraînant son raccourcissement. Remarque, en l'absence de nouveau potentiel d'action, ça veut dire influx nerveux,
musculaire, le Ca2+ est de nouveau accumulé dans le réticulum sarcoplasmique et le muscle revient à son état initial, ça veut dire l'état de relâchement. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.